J'appelle Zaya Ziwani à nous rejoindre, chef d'orchestre. Et François Barada, marketeur, qui est en retard. Merci. Bonjour Zaya Ziwani. Bonjour. Merci d'avoir accepté l'invitation de Panta. C'est de la scène. Je m'éloigne. Vous dirigez l'orchestre symphonique Divertimento que vous avez fondé en 1998. Vous pratiquez une musique éclectique qui va du classique au jazz en passant par la musique orientale ou la musique sud-américaine. Et vous êtes aussi une femme engagée. Vous produisez en France et à l'étranger avec votre orchestre ou comme chef invité sur des grandes scènes, mais aussi dans les banlieues, en milieu carcéral, puis récemment à la Fête de l'Humanité. Alors moi, j'ai deux questions à vous poser. La première s'adresse à la femme chef d'orchestre. Les femmes ont été présentes dans l'histoire de la musique, notamment les femmes compositrices du Moyen-Âge jusqu'à nos jours. Elles sont rentrées beaucoup plus récemment au cœur de l'orchestre. Il faut bien dire que du côté de la direction d'orchestre, c'est encore majoritairement une affaire d'hommes. Alors, est-ce que vous pouvez nous expliquer ce mystère ? Et nous parler de votre expérience, peut-être les obstacles que vous avez eu à lever, les soutiens dont vous avez pu bénéficier. Oui, en effet, bonjour à toutes et à tous. Merci de votre invitation. Alors, en effet, dans le milieu de la musique, on est moins de 4% de femmes chefs d'orchestre. Et les quelques femmes que nous sommes à évoluer au milieu, dans le milieu national et international, on le fait toutes à la tête des orchestres qu'on a toutes créés en fait. Donc moi j'ai créé l'orchestre Divertimento en effet il y a 20 ans. Quand j'ai commencé, donc j'ai eu la chance de commencer ce métier d'habitude que l'on aborde plutôt dans une deuxième partie de carrière. J'ai eu la chance de le commencer quand j'étais toute jeune. J'avais rencontré un grand maître de la direction d'orchestre qui m'a accueilli dans sa classe. Et qui m'a aussi autorisé à me projeter un peu dans cette voie-là, puisque à chaque fois que je disais que je voulais devenir chef d'orchestre, on me disait non, Zaya, n'y pense même pas, concentre-toi sur tes études d'instruments, mais ce n'est pas du tout un métier qui est fait pour les femmes. Donc voilà, donc moi, n'ayant pas de parents musiciens, je n'avais pas trop de repères dans ce milieu-là, donc je continue à m'investir dans mes études musicales, mais voilà, en gardant secrètement ce rêve dans ma tête. Et j'ai eu l'occasion de rencontrer une des plus grandes figures de la direction d'orchestre du XXe siècle, qui s'appelait à l'époque Sergiu Celibidac, qui m'a accueilli dans sa classe, parce qu'il m'a vu enthousiaste et avec du talent. Et il m'a dit, par contre, Zaya, je te préviens, les femmes n'ont jamais tenu plus de 15 jours dans ma classe, parce que souvent, en fait, ce qui leur manque, c'est la persévérance dans ce métier. Donc voilà, donc moi-même, ma grand-mère a été résistante en Algérie, ma mère a fait partie des premières personnes qui ont construit l'Algérie après l'indépendance. Je me dis, après tout, je ne vais pas risquer ma vie en essayant d'être chef d'orchestre. Donc voilà, j'ai essayé de m'inspirer justement de leur persévérance et de leur valeur pour pouvoir m'engager dans cette voie-là. Et donc j'ai eu l'occasion de tenir pendant 2 ans dans sa classe. Bon, après, malheureusement, il était très âgé, donc il nous avait quittés à ce moment-là. Et je me suis retrouvée avec cette riche expérience, mais à 20 ans, donc à me dire comment est-ce que je vais pouvoir maintenant diriger. Et quand, à ce moment-là, j'ai fait le constat qu'il n'y avait aucune femme qui dirigeait les orchestres nationaux en France, très peu aussi à l'international. Et c'est vrai que ce n'est pas évident de se projeter dans une voie qu'on ne peut pas s'identifier. Et donc, en fait, je me suis dit, si Zaya, tu veux diriger, il faut que tu te crées toi-même tes propres conditions et tes propres opportunités. C'est comme ça que j'ai créé l'orchestre Divertimento. Alors, évidemment que j'avais moi-même envie de diriger un orchestre, et puis j'avais 20 ans, donc j'avais envie de vivre de belles expériences, mais aussi parce que mon parcours personnel, le fait d'avoir grandi en Seine-Saint-Denis, d'être aussi ici d'une double culture et voyant aussi comment ce milieu musical avait beaucoup de chemin à faire pour faire évoluer, se décloisonner, je me suis dit j'avais aussi beaucoup d'idées que j'avais envie de développer. Et c'est pas compliqué quand on est chef d'orchestre et qu'on veut développer ses propres idées. Il faut être directeur musical d'un orchestre, directrice musicale d'un orchestre. Il faut savoir qu'à 20 ans en France, on a à peu près une quinzaine d'orchestres nationaux qui sont financés donc majoritairement par les fonds publics, très majoritairement et surtout par l'État. Il y a 20 ans, il n'y avait aucune femme qui dirigeait les orchestres nationaux en France en tant que directrice musicale. En 20 ans, il n'y en a aucune, il n'y en a eu aucune et il n'y en a toujours aucune aujourd'hui. Donc, heureusement que je n'ai pas attendu qu'on me donne justement les opportunités. Donc, j'ai créé l'orchestre Divertimento. Et créer un orchestre, c'est comme le créer sous tous ses aspects, trouver une identité artistique, pédagogique et
créé dans la dimension financière. Et ce qui m'intéressait, moi, c'était surtout, bah, en effet, d'apporter de l'innovation dans ce métier et justement de proposer des projets musicaux qui étaient différents, d'aller à la rencontre des territoires, parce que j'ai grandi dans un département où il n'y avait pas de concert de musique classique, et donc j'avais envie aussi de permettre à ce que cette musique qui puisse devenir une culture populaire et que d'autres jeunes puissent se l'approprier également, des garçons, des filles, des jeunes issus de milieux très populaires, de cultures différentes, et donc que ça soit présent dans différents territoires. Et puis, et voilà, et d'être aussi très engagé dans la pédagogie, puisque bah, pour pouvoir faire changer aussi dans le milieu musical la physionomie des orchestres, voir plus de femmes, il faut aussi qu'on puisse leur donner l'opportunité de le faire, les former. Donc pour moi, c'était aussi à l'Orchestre Divertimento une occasion de pouvoir aussi réinventer les formes de la musique classique et de créer un projet qui permettrait de faire bouger les lignes. Et on a fêté aujourd'hui les 20 ans de l'orchestre, les 10 ans de notre académie. Donc voilà, un beau chemin, mais qui est encore très difficile malgré tout, parce que voilà, on a pour l'Orchestre Divertimento par exemple dans sa dimension économique, et je vais finir avec ça pour cette question là, bah voilà, on a des, moi j'ai des subventions qui sont 20, 30, 40 fois moins importantes que les subventions publiques des autres orchestres, donc voilà, donc il a fallu trouver d'autres opportunités. Donc en fait, à chaque difficulté, j'essaie plutôt de trouver une solution pour la contourner et au contraire de rendre ce projet plus innovant et de lui donner une forme différente. Donc il y a encore des batailles à mener. Ma deuxième question, merci. Ma deuxième question s'adresse à la femme engagée socialement. Pensez-vous que la musique soit un facteur efficace d'ouverture culturelle, sociale? Est-ce qu'on peut la jouer devant tous les milieux, dans tous les quartiers? Ah bah oui, complètement. Et en fait, moi, j'ai toujours vécu quand j'étais plus jeune comme une injustice de devoir aller toujours dans les grandes salles à Paris, de ne pas en avoir chez moi. Et quand j'ai commencé à monter l'orchestre et de développer ce projet, ben je rencontrais évidemment beaucoup de partenaires locaux, des gens du monde de l'entreprise, bien évidemment, des acteurs du monde associatif, social, éducatif, et évidemment, bien sûr, les collectivités locales, les élus locaux. Et souvent, j'entendais, oui, mais la musique classique, c'est pas fait pour les jeunes, ils aiment pas ça, notamment en Seine-Saint-Denis. Et moi, je trouvais ça très, voilà, très injuste qu'on décide à la place des autres ce qu'ils ont le droit d'écouter ou pas. En 20 ans, moi, j'ai rencontré des milliers de jeunes, il n'y en a pas un qui m'a dit « Zaya, j'aime pas ça », qui se bouche les oreilles, qui n'a pas envie. Et quand on se retrouve face à un orchestre symphonique, ça n'a rien à envier à l'énergie, même des concerts de rock ou d'autres. Voilà, ça dégage beaucoup d'énergie, c'est super. Et tout le monde a le droit de vivre ces belles émotions. Donc moi, je crois vraiment que c'est une musique qui peut devenir vraiment très populaire. Et tout à l'heure, vous citiez la Fête de l'Humanité. C'est, pour vous juste vous donner un exemple, ça fait partie, en effet, des concerts que moi, j'aime beaucoup donner. Parce que ça, voilà, c'est des moments où on peut réunir 20 000, 30 000, 40 000, 60 000 personnes très différentes et créer des moments vraiment populaires autour de la musique symphonique. C'est possible et des moments où on peut se rencontrer, c'est assez important. Et donc c'est pour ça aussi que l'identité de l'orchestre d'aller au cœur des territoires, c'est pour permettre justement à beaucoup de jeunes de pouvoir découvrir la musique, mais aussi ensuite de la pratiquer, parce que c'est aussi beaucoup au sein de l'orchestre. Voilà, on développe beaucoup de valeurs qui sont importantes pour un jeune, pour évoluer dans son parcours social, professionnel. Voilà, toutes les valeurs qui sont nécessaires. Et donc, voilà, c'est important. Et juste, je dirais un petit mot, c'est qu'au bout de 20 ans, l'enseignement qu'on en tire maintenant, c'est que, oui, la musique symphonique, elle a sa place partout, mais qu'il y a aussi un gros travail à faire pour que justement tout le monde puisse y avoir accès. Et que là, avec l'Orchestre Divertimento, on développe des dispositifs spécifiques pour justement permettre à valoriser et à renforcer la place des femmes dans notre milieu musical, les talents féminins, que ce soit d'ailleurs en tant que soliste, en tant que, évidemment, chef d'orchestre, metteur en scène, valoriser les femmes compositrices, parce qu'elles sont très peu valorisées. Il n'y a pas longtemps, j'ai été voir une grande salle de concert en disant, tiens, ça serait bien qu'on puisse peut-être faire un programme qui permet de mettre en lumière les femmes compositrices. On m'a dit, mais toi, ça ne te dérange pas de faire un concert que autour de femmes compositrices? Et ben je dis, mais vous, ça ne vous dérange pas de faire 99,9% de vos concerts autour des hommes compositeurs? Et en fait, pour vous dire que c'est encore loin d'être un chemin naturel. Et donc, voilà, et par rapport aussi à notre académie, ben, de permettre aussi à des jeunes filles de faire du trombone, de la percussion, des contrebasses, et un garçon de faire de la flûte ou de la harpe, et justement de lutter aussi contre parfois les idées reçues par rapport à ça, et aussi par rapport aux femmes qui sont elles-mêmes discriminées, parce que parfois dans la société, elles ont aussi un positionnement social parfois plus fragile, et il y a beaucoup de femmes qui, parce qu'elles élèvent seules leurs enfants ou autres, ne peuvent pas s'autoriser aussi une pratique culturelle. Donc de travailler aussi pour permettre à ce que
tout le monde puisse avoir accès à la culture, mais avec une attention aussi particulière pour les femmes, puisqu'elles sont aussi très, très dynamiques et très engagées dans l'éducation de leurs enfants, et que c'est important qu'elles-mêmes, elles puissent aussi montrer à leurs enfants que la culture a une place importante dans la vie du foyer et dans la transmission. Donc voilà, en effet, dans mon engagement de chef d'orchestre, c'est ça aussi que j'avais envie d'être au XXIe siècle, une chef d'orchestre qui peut aussi apporter de l'innovation et faire changer les choses dans notre milieu. Voilà. Très bien. Juste pour terminer, vous le disiez tout à l'heure... Un rendez-vous musical, 13 juillet. Oui, alors en effet, c'est le dernier concert de la saison, après une belle saison musicale autour des 20 ans de l'Orchestre Divertimento. Et ça sera au Parc du Château Bleu à Tremblay en France. Voilà, c'est un événement qui réunit plusieurs milliers de personnes tous les ans. Et pour un dernier concert, et puis qui se clôturera en effet avec un concert et de la pyrotechnie, des feux d'artifice. Donc si vous avez envie de venir, je serai ravie de vous accueillir ou à d'autres concerts par ailleurs. Voilà, mais c'est la dernière actualité de la saison. On y sera. Merci beaucoup. Merci. Zaya. Merci.